Azul fil akwent, azul fil awen, wid yellan dagi tzeqqa mberber tilivizyon, azul daɛna tiki wid ɣad yettawin s ttawil, wad ad ttwalin s ttawil mberber tilivizyon neɣ s ttawil la page Facebook. Tanemmirt tameqqrant imi d-rzam ɣur-neɣ akken ssaɣ tanumi deg wass n ssebt nettemlali wakken ad nbaddal tiktiwin. I tmeddit deg wass-a akken teẓram inebgi neɣ mass Arezqi Xewwas, Arezqi Xewwas d yiwen d umyaru i yuran sin idlisen mazal wis 3 ifaq, idlisen amezwaru win mi yesemma Chanson Kabylie, Identité, L'Ouvert de l'ONU, c'est une manglette. Les Suissines, Rafa Chagadé, Wawalassa, ou le Mikfkarissem, Révolte et Espoir dans la chanson Kabyle, Thénkran, Dussirum, Dishna, Ntrovelit, Dernatik, Goussien, Dissidoun, et Tahgirayoun, ou de Sikfen, ou de Farmixma, Thayerir, Dissidoun, Ntrovelit, L'amour dans la chanson Kabyle. تجميد تم قرنت تسوغالي نزور النغط تجميد تم قرنت تسوغالي رجز نقذ السنغط سميخ ذاك نارس قيخواس دعنا تيك دي ونسيت شاف دي تابليس مو سكولير دا جان كوليج دا جدي فرنسا وكين اختر ميت تم قرنت ميت قفل ضغط مسلا يضغى فينك شود نغى فزلت تقبالي في ثلاث من الكران دعنا تيك وسير أدنس الوسراج أم بعد أن نغارث أن نفسقار الشوال لأن إذا كون وين تسعى مزرفة تفكم تتشريون غير سخصيين إماس رزقي خواس رزقي خواس كين أثنى مثل مقرنة أثنى وصوات غوري كما يعطيك الصحة ثان ميرثيني كيف العرض عيقينون ثم زوارو ثد اسم السيوضة يناير أمر فوح يك إمازيغن دي ثمورتان دمالان تمني غاسن جهنا صح أكد الصحة سيوكتوها وكذا دور أم قران وقبل رد نبدو أمسرية في كتاب تاقيد سوفا أسقوة ساقيق مرد ربيغا الدنيا خيران إمسرين ثم زواروث أذا راغ تجميلتي إي جميلة يوف تنازور ثم قران إذا غي جان ماتشا تصايقين في السنات بغيغا الدينيغ بلي أشويدي صوان يوكنا دارو غا في الشنا أثي دارو صروميث وقيل خير سي بلي فاسيل بور موا دونك أشويدي صوان كيسكي ما بوسي à travailler sur la chanson et à écrire aussi. Je suis des savants d'artillerie. Dit Bzouarou, Bouda dans 81 de la guerre France. Dina idmera amzurouyino, dagi idmera thamsreithino, dagi idoufir, yok tawirath, ganan thamsreith ntmazir, donc de mouzerou ntmazir. Donc l'occasion nous a été offerte quand je suis arrivé en France de découvrir de façon très très profonde l'importance de notre culture et de notre histoire et de notre patrimoine. Donc, à chaque fois que je suis en ça fait 39 ans que je suis en train de faire ça. Mais je suis en train de faire ça. Je suis marié à une Allemande. C'est un peu plus. Donc, où sont les dargars à ta scabaïde? Dargars jusqu'à l'âge de 3-4. Ans, c'est que la course, ça devient de plus en plus difficile. Donc, venez de Moritz Messeray et Thamsreitis, à Tessaroh. Donc, où est-ce que vous avez dit, vous avez dit, donc, il s'agit de la chose de la parce que vous avez dit, 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 vous avez garing ak tmurtiw garing ak di dirsinu garing ak la culture garing ak l'histoire donc ça, la chanson kabyle pour moi je la considère comme étant encore le cordon ombilical qui me rattache encore à la à ma culture à mon identité à mon histoire et c'est quelque chose de très important pour moi et donc comme hsbi manu am chmaatni ifin tsharab w kunt khtiyara donc c'est comme ça que je la considère pour moi parce que je n'ai pas travaillé donc elle a été sur la travaillé parce que oui ça fait le travail qu'on a ça dans des mains de gouhamot ça dans gara donc il dit c'est général mais il sert sur la gara je n'ai pas travaillé donc c'est grâce à la chanson que je maintiens encore la pratique de la langue et mon attachement à la langue et à la culture et à l'histoire. Voilà, donc, troisième chose que je voulais dire, c'est Saudar Dertieregi, c'est aussi pour contribuer modestement et humblement à la sauvegarde et à la diffusion de cette identité. La culture, l'identité, donc ça, c'est quelque chose d'important. Hadjad Nerni Bouradini,
أيغار خاطر يساعد رسام قران أكيد سينا فرحة يونواز الناس لا شانسون كابيل سي لو ليفر دونت ا ايتي بريفي لو بربيروفون دونك لا شانسون كابيل بور موا سي ان ليفر اوفير سي فريمون كيك شوز دو تري تري امبورتون دونك سا زلام قران دونك سي بور سا اوسي كو جو ترافاي لا دسو لان دايفال قرني تو سبيسياليست دو لا شانسون قراص لايف مثلا كي جو سوي ان بوتي مودست contributeur à la sauvegarde et à la diffusion de la chanson. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très 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 important. C'est quelque chose que j'assume de façon forte. C'est un choix qui peut être critiqué par les gens, mais c'est un choix qui est le mien. Il est subjectif, certes, mais il est lié aussi à mon expérience, à mon vécu de la chanson et à ma connaissance modeste de la chanson. Donc les gens peuvent critiquer le choix. La difficulté qui a été la mienne, c'est que « Kulmera sarait itzret » كل مره سلاغي اون شونسون قراص تاكيلا قد سيدر نور ديك الكتابت هاد سلاغاز كان تاكيلا قد سيدر نور دونك الى ان مومون دوني الى قد حبسها سينو حبس غير وتصف غير دونك سي ان دومين كي اي اون ميم طون تري تري ريش مي كي نو امبوز دي شوا كي ني با فاسيل دو فير فوالا دونك جو توني تو دو ميم ا بريسيزي سا تو سكي ايكري دودون سي دي شوا كي سون بيرسونيل سي ان ريغار بيرسونيل كي critiquer, qui peut être amélioré, qui peut être amendé. J'accepte la critique et c'est comme ça qu'on peut avancer. Voilà. Donc, pourquoi la chanson ? Dans le livre, le Thekhtep Thagi, elle est répartie en trois grandes parties. La première partie, c'est l'histoire de l'Algérie. Pourquoi l'histoire de l'Algérie ? Parce que je pense que à chaque fois qu'on travaille sur un thème, si on ne le met pas dans son contexte, on ne peut pas comprendre les choses. La deuxième partie, c'est l'histoire de la chanson. C'est pareil, c'est montrer comment la chanson a évolué. C'est pour ça qu'on peut comprendre aussi comment elle a évolué sur le plan thématique. Je n'aborde pas du tout la partie musicale parce que je ne suis pas du tout un spécialiste et je pense que c'est important de préciser tout ça. Après, la partie la plus importante, c'est la partie des textes. Et dans la partie des textes de chanson, il y a deux sous-partie, il y a une partie liée à la chanson masculine et il y a une partie liée à la chanson féminine. J'ai fait exprès de distinguer les deux parties parce que la notion de revendication, la notion, les thématiques chantées par les femmes et par les hommes ne sont pas les mêmes. Même si à un moment donné, les deux thématiques vont se regrouper. Voilà. Donc l'histoire de la chanson, pourquoi la chanson ? Parce que l'histoire de la chanson, tant qu'elle revient dans le livre, je la remonte au début du XXe siècle. Les chanteurs dont je parle, l'un des premiers chanteurs dont je parle, c'est Amar Shqal. Amar Shqal, une de ses premières chansons, elle remonte à 1927. Donc je pars de cette période-là jusqu'à la période actuelle. Je distingue trois grandes parties. La première partie, qui va du début du XXe siècle jusqu'à 1962. Cette première partie en elle-même, Gizmart Sinihalishen, du début du XXe siècle jusqu'à 1938-1940. Pourquoi 1938-1940 ? Parce que c'est la période, sur le plan historique, où ont été commencées à être créées les émissions en langue kabyle et arabe, les LAK, et par la suite, la mise en place et la création de la radio kabyle. Donc c'est quelque chose de très important parce que c'est aussi ces éléments-là qui ont permis aux acteurs de la chanson mais aussi à la société kabyle d'évoluer et d'avancer. Pourquoi ? Parce que la chanson kabyle chez nous, pardon, on peut pas chanter n'importe où. La chanson est considérée encore comme étant tabou parce que dans notre société, il est rien. Il y a la pudeur qui est là, qui est très très forte. Donc on ne peut pas chanter n'importe où, n'importe quand et n'importe
devant n'importe quel public. Thurewin, elle pouvait chanter dans des lieux bien, bien précis. Thamtos, chenou, math, zuzun, lofanins. Chenou, math, kaddish. Chenou, des thalas. Chenou, des thmarewin. Irgazanani, des chenoun. Chenoun, essentiellement des khala, imksaoun. Nar chenoun, math, il janaza. Adkar, akdokarar. Thurewin, des chouchenount. Les femmes qui chantent, elles chantent leur douleur. Elles chantent leur mal-être, elles chantent la séparation avec le bien-aimé qui est parti à l'étranger. Elles chantent la difficulté relationnelle qu'elles ont avec la belle-mère. C'est le moment où la femme kabyle, elle est toute seule, elle exprime et elle évacue tout ce qui lui fait mal. L'homme, de son côté, sur cette période-là, de 1900 jusqu'à du 1900 jusqu'à 1962, la chanson kabyle elle s'est caractérisée par les thématiques suivantes. Elle a chanté l'immigration, elle a chanté essentiellement l'amour, elle a chanté les problèmes de mariage, elle a chanté donc elle a chanté la kabylie, elle a chanté la femme kabyle, elle a chanté Thamour. Donc d'un point de vue purement descriptif. Hein, mais à partir de 62, et tout particulièrement à partir de 73, la situation va commencer à changer. Donc la première partie, donc, 1940, avec la création de la radio, il y a un moment très très important qui va être aussi très déterminant dans les choix thématiques des chanteurs, mais aussi dans l'évolution de la société. C'est l'avènement de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale notamment, à partir de entre 1939 et 1945, la société coloniale, la France, elle avait besoin de main-d'œuvre pour reconstruire le pays, donc elle fait appel à l'immigration. Et le phénomène migratoire va être un élément déterminant de l'évolution de la société kabyle dans son ensemble, mais dans la société algérienne, mais aussi dans le milieu des artistes. Parce que l'artiste ou l'immigré qui va venir en Europe, en France, il va côtoyer des gens, donc il va prendre des habitudes, il va prendre des façons d'être, et quand il rentre, progressivement, il distille ça aussi dans la société. Et l'immigration a été déterminante dans l'évolution de la chanson sur le plan thématique, mais sur le plan aussi de sa diffusion. C'est en immigration essentiellement qu'on a connu que les grands chanteurs de la algériens et Kabyle en particulier ont connu notoriété. Et puis, c'est là aussi qu'ils sont diffusés. Moi, je me souviens encore, dans les années 70, quand on venait ici, on rentrait, je ne sais pas qui parmi vous ne l'a pas fait, n'a pas ramené une cassette sous le manteau pour... voilà. Et là, l'immigration, les chanteurs de l'immigration, ils ont contribué énormément à la lutte de libération. Si on prend des chanteurs comme Farid Ali et compagnie, ils ont chanté dans l'immigration. Ils ont chanté la revendication face à la présence coloniale. À partir de la création de la radio jusqu'à 62, on assiste essentiellement à une description de ce que j'appelle les particularismes de la société kabyle. On a chanté, avec nous, on a chanté la femme kabyle, on a chanté Thamourth. Thamourth, le terme Thamourth, chez nous, il désigne plusieurs choses en même temps. Thamourth, c'est le pays, c'est le village, mais c'est aussi le petit lopin de terre qu'on cultive. Donc tout ça a été chanté. Qu'est-ce qu'ils ont chanté, ces gens-là? Slimane Azam, Chukchina, Ishna Thamourth, Ishna Thamtoth, Sherif Khaddam, Ishna Djadjara, Ishna Thamtoth, Sheikh Al-Hasnaoui, il a chanté la femme. Donc c'est resté à l'état de la description. Mais quand je dis ça, il ne faut pas oublier aussi que durant cette période-là, il y a eu une phase de revendication.
Chérif Khaddam, quand il a chanté Djur Jura, Slimane Azem, quand il a chanté Fraya Jarat Tamourfi, on est dans la revendication. Et ça, c'est important. Farid Ali, quand il chante, il a chanté aussi, il a pris des positions face à la colonisation française. Donc, quand on parle de revendication, ce n'est pas uniquement à partir des années 70. Même si la période la plus importante en termes de rupture sur le plan thématique, elle se situe dans les années 70. Alors pourquoi dans les années 70? Parce que quand on reprend un petit peu l'histoire de la revendication de l'identité, le premier conflit identitaire, il se situe et il remonte aux années 20, quand il y a eu un premier conflit entre les berbéristes et les arabophones, les berbérophones ou les arabophones du mouvement national. Donc les berbéristes ou les berbérophones ont été écartés, et la plus grande crise, elle a éclaté en 1949 contre les benbadistes, fort de leur trilogie « L'Algérie, c'est mon pays, l'arabe, c'est ma langue, l'islam, c'est ma religion ». Tout ça, cette trilogie, ils l'ont annoncé par opposition à la présence française qui, elle, tablé sur trois pieds aussi, la France comme pays, hein, on nous a enseigné ça, nos ancêtres c'est les Gaulois, la religion c'est le christianisme, et la langue c'était le français. Donc le triptyque, il est là. Et ce triptyque-là, malheureusement, à partir de 62, il a été poursuivi par une politique d'arabisation. Et s'il y a un auteur qui met très 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 bien en valeur l'incongruité de cette arabisation, c'est Kateb Yassine. Kateb Yassine, il naît, si l'Algérie était arabe, pourquoi l'arabiser? Si elle n'est pas arabe, alors pourquoi l'arabiser? Voilà. Donc on est face à cette situation-là. En 62, le pouvoir central a décidé de mener une politique d'arabisation, mais une politique d'uniformisation du citoyen algérien. Il voulait faire un citoyen unique. Donc il a nié tout ce qui est diversité, il a nié le fait berbère, il a nié l'histoire berbère de l'Algérie, et en plus de ça, il a commencé à s'attaquer au fond même de l'identité. Il a adopté une stratégie à double niveau. Le premier niveau, c'est il s'est attaqué à tout ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il y avait comme écrit dans les années 60-70? Le seul écrit qu'il y avait encore, c'était le cours de Mouloudia à l'université d'Alger. Il a fermé. Il y avait encore un fichier de documentation berbère qui était à Ben Aka. 76, il l'a fermé. Donc une fois qu'il s'est attaqué à l'écrit, il lui restait que l'oral. L'oral, il a commencé par fermer la radio Paris. La radio Kabyle à Paris, sur ordre des autorités algériennes, elle a été fermée. Ensuite, il a commencé à réduire le taux d'émission de la radio chaîne 2 progressivement. À un moment donné, elle émettait de 6h à 9h, de midi à 15h et de 18h à 21h. Comme si nos mères, nos grands-mères et dans nos villages, ils n'avaient le droit qu'au compte-goutte pour écouter la chanson dans leur langue ou des émissions dans leur langue. Et une fois qu'il s'est attaqué à ça, il a commencé aussi à s'attaquer aussi aux artistes. Durant les années 70, dans les émissions, tous les samedis, il y avait une émission à la télévision où il y avait plusieurs chanteurs, plusieurs artistes. Progressivement, le nombre d'artistes kabyles diminuait de plus en plus. Je me souviens encore d'une scène où il y avait qu'une seule chanson de Nouara. Ma belle-sœur, je me souviens très très bien, elle m'a dit « Arsqué, midker Nouara, midvda Nouara, sekhouïd » parce que c'était la dernière. Donc vous voyez comment, une fois qu'on s'est attaqué à l'écrit, on a commencé à s'attaquer à l'oral. Or, l'oral et l'oralité, c'est quelque chose de fondamental dans notre société. C'est grâce à l'oralité qu'on s'est encore maintenu. La question, moi, qui me turlupine, qui m'occupe jusqu'à maintenant, c'est comment, avec toutes les occupations qu'a connues la Berbérie ou l'Algérie, on maintient encore cette langue en vie et on essaye de la développer. Par quel miracle, avec toutes les occupations, toutes les colonisations qu'on a connues, par quel miracle, elle reste encore vivante?
Ça c'est une question, mais je pense que la réponse, elle est liée au fait que nos grands-mères, les femmes en particulier, elles ont joué un rôle important dans la transmission. Et ce qui m'inquiète, c'est que la société évolue aujourd'hui. Dans les années 70, les veillées traditionnelles sont remplacées par la télévision. Et aujourd'hui, les veillées sont remplacées par les deux doigts. Voilà. Il y a plus de communication, il y a plus de, et ça c'est quelque chose qui c'est un danger qui nous guette. D'où aussi une des raisons qui me pousse un petit peu à travailler et à fixer les choses par écrit, parce que l'écrit il reste. Les hommes, nous on va partir, mais nos écrits, les écrits des uns et des autres, ça reste et les générations futures pourront toujours trouver ça. Est-ce que jusque là c'est bon? Voilà. Donc on va assister à deux phases importantes. Donc la première partie, une fois que le contexte il est posé, les hommes donc vont chanter une revendication. Farhat, quand il a commencé à chanter, la misère sociale. L'une des premières chansons de Farhat, c'est Wadou Shayah. Wadou Shayah, qu'est-ce qu'elle décrit? Elle décrit la misère des bidonvilles autour d'Alger. Ensuite, il a critiqué le pouvoir. Ensuite, les chanteurs des années 70, là, ils ont vraiment marqué une rupture parce qu'ils ont senti ce danger peser sur l'identité, sur la perte de patrimoine, sur la perte de l'identité. Ils ont commencé à se manifester. Alors, les années d'avant, je ne pense pas qu'il y ait eu cette manifestation ou cette crainte. Mais le fait de chanter à l'époque en Kabyle, c'était déjà quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, quand on prend le recul, quand on écoute une chanson comme « Djerjara » de Chérif Khaddam, on se dit, mais en termes de message identitaire, il n'y a pas plus fort. Parce que de mémoire, je ne connais pas encore le texte complètement, de mémoire, c'est notre attachement au caillou, notre attachement à la montagne est très très important parce que c'est quelque chose de fort en termes d'identité. Et à partir de 73, on a commencé à parler, à chanter, c'est là à partir de 73 qu'on a commencé à découvrir Massinissa, on a commencé à découvrir Jugurtha, parce qu'il y avait un fort danger de perte de cette identité-là. Et on a à partir de cette période-là, l'identité elle devient très très forte, la revendication identitaire elle devient forte, la revendication de plus de justice sociale elle devient forte, l'opposition au pouvoir elle devient forte. Quand on prend des chansons comme Izumel de Hidir, elle est très forte, c'est une remise en cause de l'état totalitaire en Algérie. Et quand on prend des chansons comme Ayem Jahed de Louis Saïd Magellat, c'est aussi une remise en cause de la façon dont le pouvoir s'est accaparé la gestion de la révolution. Il dit, grosso modo, les idéaux de la révolution, les idéaux pour lesquels tu t'es battu, toi, combattant, n'ont pas été respectés. Donc, voilà. Et du côté de la femme kabyle, elle a chanté essentiellement son mal-être, mais à partir des années 70, on a commencé aussi, des femmes ont commencé à chanter aussi la revendication identitaire. Quand on prend le groupe Djurdjura, il a chanté un Missou Mazir. Quand on prend Nouara, elle a chanté aussi la question identitaire. Et donc, petit à petit, les deux combats, les deux revendications vont se retrouver. Et la plus belle image de cette rencontre entre ces deux types de chansons, c'est quand on voit des chanteurs comme Chérif Khaddam rendre hommage à la femme.
Elle est très très belle cette chanson. On suivi derrière Yedil, il a rendu un très bel hommage dans sa chanson aussi, Tulawin, à la femme. Lounisait Magilat, il a rendu un très bel hommage à la femme aussi ces dernières années. Donc on voit très très bien comment les deux types de revendications vont finir par se retrouver et s'unir. C'est pas dans le texte. Je cite quelques textes de référence en termes d'espoir, parce qu'il est aussi question d'espoir. Hein. Je termine le livre par une des chansons, pour moi, qui est l'une des plus belles de chansons qui s'applique à ce que l'on vit actuellement en Algérie. C'est la chanson de Chérif Khaddam, « L'dzer inchalhar tshalou, atsughar dham zikhenni ». Il n'y a pas plus bel hommage à ce pays que les artistes aiment. Alors pourquoi j'ai choisi ce texte-là? Parce que pour montrer et démontrer au pouvoir qui ne cesse depuis 62 de désigner les chanteurs kabyles, les artistes kabyles comme étant des séparatistes, comme étant des gens qui n'aiment pas leur pays. Et je pense qu'il n'y a pas un artiste algérien au sens large qui ait défendu son pays comme l'a défendu l'artiste kabyle. Voilà, c'est aussi pour montrer par les faits que ces gens-là, ils aiment leur pays et ils gardent encore l'espoir de voir ce pays reprendre sa vraie histoire, sa vraie identité, mais une identité que je considère, moi, comme étant multiple et composite, parce que l'histoire, elle le montre. L'Algérie, elle a été phénicienne, elle a été carthaginoise, elle a été romaine, elle a été byzantine, elle a été vandale. Et tout ça est en nous, c'est une richesse. Hein, on a été arabo-musulmans. Voilà. Moi, je n'aime pas trop utiliser ces termes-là. Moi, je dis que l'Algérie est une société de tradition musulmane. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai toujours à l'esprit, moi je suis ici d'une famille maraboutique. Imam Abdelrahman Al-Kouli, quand ils font la prière, ils font la prière, ils récitent les versets du Coran. Mais c'est pour dire qu'il y a cette tradition. Moi, ma mère ne m'a jamais parlé de religion. Ma mère, moi, elle m'a dit, la seule religion que je peux te transmettre, mon fils, c'est la suivante. Fais du bien autour de toi et évite de faire du mal. Et je me dis, avec un principe comme celui-là, je n'ai pas besoin d'une autre religion. Hein, ma religion, c'est celle-là. Et celle-là, tout le monde peut l'avoir. On n'a pas besoin d'être ou juif ou voilà. Tout en respectant ceux qui sont pratiquants, qu'ils soient, quelle que soit leur religion. Mais j'estime que quand on frappe quelqu'un, ou quand quelqu'un me frappe, je sais qu'il me fait du mal. Et si moi je tape quelqu'un, je sais que je lui fais du mal. Donc ce que ma mère m'a transmis, c'est celle-là. Et je garde toujours cette phrase-là. Fais du bien autour de toi et évite de faire du mal. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Et après, s'il faut que je rentre un peu plus dans le détail, tout en répondant à vos questions. Est-ce que ça a été clair? Voilà. Merci. تنمث ثم قرن تمس أرزقي خواص ثنا عدث الديبا ماذا قال أنا في السقسية ناثو تسيري وين هذا نزور غالي ألو ماس فنان أعد درو ميكرو Donc, le corpus sur lequel vous avez travaillé, vous avez parlé d'un choix. Est-ce que vous avez seulement travaillé sur les textes, les textes, donc le corpus, ni sur les auteurs? Parce que quand vous avez parlé des années 60, à partir des années 60, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont écrit pour d'autres, et notamment pour des femmes. Il y a eu d'ailleurs Star. Zahir, c'était Mahbub Bati, Thaqwaili, c'était deux monopoles pratiquement. Il y avait Kamal Hamadi qui écrivait un peu pour tout le monde. Voilà ma question. Sahed. D'accord.
Alors, dans le livre, il y a à peu près une vingtaine d'artistes hein, donc qui sont cités. Mais dans toute la partie historique, je parle justement de ces gens-là. Alors, Kamel Hamadi, pour l'instant, je n'ose pas le toucher. Pour la simple et unique raison, je pense que il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas et qui ne connaissent pas effectivement tout le travail qu'il a fait. Quand je dis à certains que Kamel Hamadi a écrit au grand Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, les gens ils se disent mais c'est pas possible. Quand je leur dis mais il a écrit au grand celui que vous idolâtrez, Khaled ou Amami, ils découvrent, ils ouvrent les yeux grand ouverts. Mais c'est Kamel Hamadi, moi je me réserve, c'est un des projets sur lesquels je pense travailler, mais pas à lui tout seul. Kamel Hamadi, j'ai envie de travailler, j'ai commencé un travail, mais il est à l'état embryonnaire. Je veux travailler sur le duo Kamel Hamadi et Nora, sa femme, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a donné énormément à la chanson kabyle, à la culture kabyle, mais il a donné énormément à la culture algérienne. Mais chaque auteur, chaque artiste qui est cité, il y a une petite biographie qui accompagne le texte, l'artiste. Après, il n'y a pas 150 textes. Hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Le problème qui se pose, c'est que quand j'entends une chanson, quand j'écoute une chanson, j'ai toujours envie d'en rajouter. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête. Mais il y a des poètes qui sont derrière les interprètes. J'en parle. Hein. Il y a des poètes qui sont dont on n'entend pas parler. Hein. Il y a effectivement tous ces gens-là, tous ces gens, ce que j'appelle les gens de l'ombre. Voilà, qui accompagne ces artistes. Il y a des artistes qui sont interprètes, compositeurs de musique, de paroles. Il y a des paroliers, pas des poètes. Hein. Voilà, tout ça, j'essaie de le distinguer dans l'ouvrage. Voilà. Merci. Salmir, Mas Badash. أكيد سقسي أفضل واش تاكي ثنقر نشريف خدام يعني كي لان دي بيلي تقبايليت أي نبغى أكيد سقسي أفضل واش ثنقاروث عندك يقال الجزائر إن شاء الله تحلو أتشو غالا مزيكيني نكوزر غالا زيكاكي إلا ندا قديم يلها باش أنو غالا غورس خاطر ما نوري لي كولونيزاسيون كي سو سون تو سوكسيدي بغي غالا زرا المقصود نشريف خدام Merci. Je ne peux pas répondre à la place de Chérif Khaddam, hein, je pense que. Mais l'interprétation qui est la mienne, c'est la suivante. Je pense qu'il fait allusion à une période de notre vécu où il n'y avait pas ces problèmes-là d'identité, entre guillemets, ils n'étaient pas manifestes, hein, où il y avait, une vie en harmonie entre le juif, le musulman, le non-musulman, celui qui, dans les familles, celui qui voulait aller au café, il allait au café, celui qui voulait aller à la prière, il va à la prière, celui qui va aller à la... Je pense que c'est ce temps-là dont il voulait parler. Ah, mais c'est aussi peut-être un retour à la vie du village et son harmonie. Hein, voilà, donc on commence aussi, parce qu'il y a certaines, peut-être, des pertes de valeurs. On commence à perdre aussi quelques valeurs, comme la solidarité. Je pense que c'est tous ces éléments-là auxquels il fait allusion. Mais je pense essentiellement, c'est... Dans ce que moi j'interprète, hein, avec mon vécu personnel, je pense qu'il insiste sur le fait que l'Algérie puisse retrouver son identité, son histoire, et qu'elle soit enseignée à tout le monde dans un esprit de apaisé, dans un esprit de reconnaissance de nos différences, dans un esprit de tolérance. Je pense que c'est le message qu'il voulait transmettre, c'est celui-là. Une Algérie tolérante, une Algérie qui est réconciliée avec son histoire et avec son identité.
C'est comme ça que j'interprète moi personnellement le message de Chérif Khaddam. Voilà. C'est le bon élan. Attendez. الزف اللون بابا بغيت نقريوط لا كيسيون غاف 30 مس زغليت انت الى ديفيرو يار بور وفنان ارغاز تصمتوا بون كي ديجا كتبوا جو سوان ارتست ولا بلي ولاش الفرق بور ما ولاش الفرق يار وكاستمتصو جوست طمطو تصف تغني فغاف ارغاز ارغاز صافي تصنع سمطوس نيغ فوالا غير السقسي غير جوست على الماتش ديال الفرق اكزاكت غونشتاغي ماتش ديال الفرق الا انا في غونشتاغي يا سي لي تام لي تام اينيت شنا سمطوس اينيت شنا سمطوس سمطوس شنا فينيتي شغبن في المحناس في مي ارغاز il n'a pas ارغاز il a chanté l'amour il a l'amour aussi elle a chanté l'amour mais pas de la même façon parce que ce que j'ai constaté quand on prend toutes les chansons d'amour quand on les regarde et on les analyse de très près il n'y a pas une chanson d'amour qui se termine dans la joie. Toutes les chansons d'amour que j'ai entendues, je reste modeste, toutes les chansons d'amour chez nous, elles sont empreintes de mélancolie, de tristesse, de... Je crois qu'une des chansons, de mon point de vue, qui reste encore une chanson où les images sont très positives, c'est celle de Kamel Hamedeng et d'Issine. Ah, où il parle de les deux amoureux sont dans un jardin, en liberté. Mais toutes les chansons d'amour, de mon point de vue, sont toutes empreintes de tristesse, de séparation, de mélancolie, ou d'âge, que ce soit du côté. Prenons l'une des plus belles chansons de l'Unicef Manguilet, il parle de cendres, il parle d'amour, de mort, de voilà. Il n'y a pas une chanson qui soit belle. Mais c'est pas propre à la chanson kabyle. Je crois que dans pas mal de sociétés, les chansons d'amour peuvent être aussi tristes. Hein. Voilà. Mais chez nous, c'est très très fort. Et dans la chanson féminine, c'est encore plus fort parce que la femme elle a été laissée dans le village, sans mari, il est parti. C'est quoi c'est tout ça. C'est pour ça que la femme, la chanson de la femme, elle est très triste, profondément triste et profondément mélancolique. L'homme, elle est triste. Hein. Pour moi, l'Unicef Manguilet, c'est sans chauvinisme, pour moi, c'est celui qui a les plus beaux textes d'amour. Si je prends l'exception de une très très belle chanson comme celle de Chérif El-Meri, qui elle sort du lot, mais toutes les chansons de l'Unicef Manguilet, elles sont toutes empreintes de mélancolie. Voilà. Les chanteurs kabyles, mais je pense que c'est partout, hein. C'est partout, hein. Révolte et espoir dans la chanson kabyle. من مس السلاد أول أجي أسفر ياجي من مس السلاد أنا سقوس Oh là, c'est une colle. Dans les années, fin des années 70, milieu des années 80. Il est juste la première cassette de Diffan. L'appareil, Xint. C'est vrai? Je vais essayer de se faire. Mais le matin, la chaîne a plus de la matin, c'est l'inéré au Sfri Diffan. Parce que juste la première cassette de Diffan, l'appareil, société d'appareil, c'est exemple, c'est où la guerre.
Mais c'est une chanson, c'est une chanson qui est frappante. Elle est... Moi, je sais que à chaque fois que je l'entends, j'ai un peu les larmes aux yeux. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je vis profondément. Moi, je suis un fils de martyr. Et parfois, je me dis, quand on est pris par un petit peu par la rage de tout ce qui se passe d'Ithmurth, tout ce qu'on a vécu, je me dis, mais mon père, il n'est peut-être pas, il est parti pour, c'est malheureux de le dire, hein, mais il n'est pas parti pour la bonne cause. Voilà. Et on est en plein, c'est quelque chose, je pense, qui touche. Je ne suis pas le seul peut-être à vivre ça, mais je pense qu'il y a pas uniquement ceux qui ont perdu leur père ou leur frère ou leur oncle, mais je pense que tous les Algériens vivent ou ont vécu directement ou indirectement ce que décrit Loulis à travers cette chanson-là. L'histoire de la chanson kabyle, Ntsoural Ken, Ra Amar Chqa, 1927. Certes, les archives ne sont pas chinois, mais où est-ce que la marche ? Qu'est-ce que je suis là ? Il y avait de la poésie. Alors, dans le livre, je réserve un petit chapitre que j'appelle le passage de la poésie à la chanson, parce que c'est ça que les choses se sont introduite chez nous. Zik, c'était de la poésie. Chenoun, c'est moi, Thoreouin Ma, Chenoun, avec quoi elle chantait ? Afous, Domindayer. Voilà, et c'était de la poésie, c'était de la poésie qui est devenue, progressivement, elle est devenue chantée. Avec l'introduction progressive d'instruments. On a commencé par introduire un joueur, après Avendayer, après petit à petit, avec l'évolution dans le temps, on a commencé à introduire de l'instrumentation. Beaucoup de chanteurs kabyles ont chanté en solo. Et le plus grand exemple, celui qui a pratiquement tout au long de sa carrière, je crois que j'ai jamais vu Tal Varavah chanter en dehors accompagné de... Voilà, il a toujours chanté en solo. Et beaucoup de chanteurs ont chanté en solo. Lounisset Manguelet, il a commencé à chanter en solo. Martob, tout le monde a commencé. À part dans les années 70, avec les gens comme Farhat, comme Idi, ils ont débuté dans des groupes. Mais partis par la suite, ils sont passés dans des carrières en solo. Mais à l'origine, on est passé de la poésie à la chanson. Voilà. Assalamualaikum. Kini Bouni Gharan. Alors, frère de Hazar, fils du chanteur Bouni Gharan, il s'appelle Sliman Azem et il se voit son nom là. À une époque, le système algérien, le pouvoir algérien, il a marginalisé Sliman Azem. D'ailleurs, les disquines, souffrant de Tsaouin, Ertmourth, Razarakan, des choses, des soukis, le régime, le pouvoir algérien, et de Sliman, des choses, ben armés, ou le vrai narin, à Dishnou, ou le vrai narin de Srinou et Almin et l'Orléans. Est-ce que cela a raison, Rolé? Ce dont je peux parler, hein, c'est ce qui se dit. Hein, c'est ce qui se dit. Il semble, ou il semblerait, ou peut-être que c'est vrai, que son frère était dans l'armée, dans un officier ou sous-officier de l'armée française. Et que c'est la chanson Fraya Jarat Tamurthéou, je crois, qui a été une des raisons, mais la raison essentielle, je crois que c'est lié au fait que son frère était officier ou sous-officier. La raison principale, c'est le fait que son frère ait été sous-officier ou officier de la... Alors, après, en 56, il a fait sortir cette chanson-là pour montrer, mais n'empêche, malgré ça, le pouvoir
ne l'a pas pris de cette oreille-là. Mais je n'ai pas d'éléments, je ne peux pas vous dire avec si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais un des éléments, c'est le fait que son frère ait appartenu ou est à l'armée française en tant que... Il a servi l'armée française en tant que sous-officier ou officier. Juste à faire... Alors, c'est le manazem des Chena, et il n'y a que Chena. Je connais à partir de 62. C'est le manazem, c'est un missaliste. Il le revendique, et c'est d'élite, et achit, ou tu fais là. Il Chena, Rafdelir, il Chena, Fikaraoula. À partir de 66, avec la première clé, la 66-67, c'est une récommation interdite, matière interdite. C'est-à-dire, il y a une clé qui est en train de se faire. ذرا دو دي سعد ديارا قانيك لاي نوت لو دي سمو قلو دي نو ذان لا نوت ني قانيك بلي كونو فار لا نوت زادير جوري دي نارا ومن بعد انا كومونس فيتيل يبعثك شمضي لايروبور سي انتيردي دونك ذاك هي دو ريبونس الا ودي نان بليك لوسكو لا كار دو سي جور ايزو انتيردي با مال شونتور دوريجين جويف في ان سيتان ادم دونك سي دال ميم سليمان عزام دي لافير لا ودي قارن بليك كو سليمان عزام كما قلت سعد هذه لاشين 2 ومن بعد يف ايفان راح ووال وغادي نسكش من هذيك السيتينس كمال حمادي يهضر هي دينايد بليك روح عند غورس زرات ذاكي ناس هذا تكشمر دا سليمان ايناس ندبر هذا عندي نتلي كاسيتينو ومن بعد هذا نروح عند كيني ومن بعد ايناس لا دوزيام كونديسيون ديال نتيك الى قسمها نروحها الى قد يدير ان اكوي دي لايروبور باش كني الغاشي نتفرج تيموان بليك انك تبغى ما داير تسمسخم الغاشين الزران ان وذنكي ان وماشي ذنكي يفقي ما كان ليستوار جوسكا مانتونو الى قضي لي اونادي غاديك سو غبر فانش تاكي وي مي 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 نونباش كو لي شونسون دو سليمان عزم سليمان عزم سيتي ان فيزيونير فوالا il a il est il était très en avance par rapport à beaucoup de à beaucoup de chanteurs et on y est hein on y est en plein dedans حميد Azul Flawen, Azul Hamid, Akhish Natiania, on n'a pas encore le temps d'en article de Tagid Souf. Kini, ma question, Fémer, de Chida Sir Mnini, Midure Tagid Tagir, nous l'ayez au début, tu l'as départagé en trois étapes, Chinant Kvaili, Tigur Yurgazin Tlawin, mais une cour Fémer, Monsieur Dachud, quel est le message, il faudrait dire, Tsadir, Natchgad, Midure Tagid Tagir. Voilà. Est-ce que c'est un débat sur les thèmes, puisqu'Anne Kamali vient de poser une question, c'est-à-dire sur le problème slimanisme, est-ce que c'est ça le débat Le débat ne tourne pas autour de slimanisme. Slimanisme, il fait partie des artistes que j'ai cités parmi les artistes sur lesquels que j'ai introduit dans la partie historique. Pour signifier que la revendication, elle est ancienne dans le temps à travers l'histoire, mais elle est aussi ancienne au niveau des chanteurs. C'est pas l'objet du texte, l'objet du livre n'est pas Slimane Azam. Pour revenir à la notion d'espoir, parce qu'à chaque fois, qu'il y a une revendication, on revendique quelque chose, on revendique un bien-être. Donc forcément, toute revendication, elle induit une envie, un désir, un espoir d'une meilleure vie, d'une reconnaissance de l'identité, d'une reconnaissance de la culture. Il y a toujours cet espoir. Mais il y a des chansons qui l'ont plus manifesté, qui l'ont plus porté. Voilà. Quand on prend Ouedou Chahir, c'est pas uniquement de la revendication, mais quand il dénonce ça, derrière ça, le message c'est « je souhaiterais que la situation change pour les gens des bidonvilles. Quand il dénonce le pouvoir, derrière, c'est le combat qu'il mène pour qu'il y ait plus de démocratie, qu'il y ait plus de justice. Donc c'est tout ça, l'espoir. Ah, ce que je souhaite à travers mon livre. Moi j'essaie d'apporter une petite contribution à la sauvegarde de tout ça. Enfin, diffuser, voilà, j'apporte un petit peu ma modeste connaissance de la chose pour essayer de sauvegarder, de permettre aux générations futures. J'ai parlé tout à l'heure de mes filles.
Mes filles, elles ne parlent pas. Donc je me dis, je leur laisse une petite trace d'où je viens, d'où elles viennent, de leur culture, de leur identité. L'objectif, c'est de laisser des traces aux générations futures. Voilà. Modestement. Alhamdoulilah. Mohamed Saïd Thiani, Azul Felaoun. Je ne sais pas, il y a une poétesse marocaine, elle est docteur d'état en linguistique. Je ne sais pas ce que vous avez, ce que vous arrivez à repérer cette femme-là. Il a fait des études comparatives sur la poésie, sur, en comparant à Itmanguilat. Ça ne vous dit rien, il a fait des études. Bon, à l'université de Tizi Ouzou, j'ai eu à assister à un débat. Bien sûr, le débat était un peu scientifique, puisque je me suis dit la linguistique. Donc, il y a eu le débat. Et il a voulu se comparer à Itmanguilat. En train d'un jeune étudiant, vous avez abordé le sujet tout à l'heure. Est-ce qu'on peut comparer un homme et une femme dans la poésie ou dans quel sens est-ce que, dans quel sens par rapport à la valeur de leur poésie de leur est-ce que c'est pas antinomique c'est vrai que le débat est un peu profond, je maîtrise pas très la chose, mais vous avez abordé le sujet ce guélien. Est-ce que si on compare un homme et une femme dans la poésie, quel est le dans les thématiques. Voilà, la thématique, voilà. Mmh. La question, elle est un peu là. C'est dommage qu'on n'a pas repéré le nom de cette femme-là, ben, d'accord, ça nous aurait aidé dans le débat. Merci. Comment voilà. C'est une artiste. Ah, une artiste. Fatima Tabou Amara. D'accord. La comparaison sur l'œuvre des Tumanguilat. Vous voulez se comparer à l'université de Tizi Ouzou? Voilà. Moi, je pense qu'on peut pas comparer les artistes entre eux. Je pense que chacun a sa façon de composer. Hein. La façon dont Louni Saïd Manguilat compose ses chansons, ses poèmes, n'est pas du tout la même que celle de Farhat, que de Idir ou que de Malika Domran ou d'autres. Saïd Manguilat, il utilise beaucoup d'images, il utilise beaucoup de métaphores. Itmanguilat, je pense, et j'ai eu la discussion avec lui sur le premier livre que j'ai sorti sur l'identité, l'œuvre d'Itmanguilat. On a eu des différends parce que j'ai interprété, c'est ça le problème de la traduction, j'ai interprété de façon tout à fait différente par rapport à au message que lui, il donne. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la chanson Nin Chérif Khaddam. Je ne peux donner des éléments d'interprétation qui sont tirés de ma façon, à moi, de voir les choses. Ça reste subjectif. C'est pas quelque chose de... J'ai pas interrogé l'artiste en lui-même qui me donne sa pensée profonde. Mais c'est ça le problème de la traduction. On peut traduire et être complètement à côté de ce que le chanteur ou le... Voilà. Mais c'est normal, ça. Ça fait... On essaie d'aller dans le sens du poème ou du chanteur, mais c'est pas facile parce que on est influencé. Chacun d'entre nous est influencé par son vécu, par son histoire personnelle, et puis par plein de facteurs qui font qu'on ne traduit pas ou on ne comprend pas forcément le texte tel que le chanteur le veut. Mais sinon, en termes de comparaison, les chansons des femmes ne sont pas du tout... la thématique n'est pas du tout la même. La femme, elle chante essentiellement ce qui la ronge, ce qui lui fait mal. Ces dernières années, il y a pas mal de chanteuses. Hein, dans les années 80, il y a pas mal de chanteuses qui sont mises à la question identitaire, qui sont mises à la question culturelle. Mais l'essence même de la chanson, le gros noyau de la chanson féminine, c'est l'amour, c'est la séparation, c'est la trahison. Elles sont, je dirais, dans la continuité, dans la lignée de Hanifa, de Bahia Farah, elle continue à chanter un petit peu ça. Si je peux donner deux exemples, hein, je vais citer la chanson de Bahia Farah, Iqsiyi Ouzalem. Elle est très très forte. On ne peut pas l'écouter dans la chanson. Parce que Iqsiyi Ouzalem, ça veut dire quoi? Eh ben, j'ai été violé. Il n'y a pas d'autre interprétation.
Azlem, c'est le sexe de l'homme qui... voilà, donc c'est ça. Et quand on prend des années après, Malika Domaran, qu'est-ce qu'elle chante ? Fkirak Swara Madhuluri Diyara. On est dans la continuité. Ah, 30 ans après, on continue à chanter la même chose. Malika Yami, l'une des, je dirais pas les dernières, mais l'une des belles voix que j'aime bien. Mais quand elle interpelle sa mère sur le fait qu'elle l'a abandonnée, c'est ça. On est dedans, c'est la femme. Et Malika Domaran, elle a chanté un petit peu ça quand elle quitte son Zouadjou. Dans Zouadjou, elle parle aussi de ça. Le fait qu'elle abandonne son foyer, elle va vers un foyer inconnu, une vie incertaine. Nouara, quand elle chante Shnemakov, c'est quelque chose de beau, mais elle dénonce aussi. Elle dénonce un fait. Oui, le texte de Mohamed, oui. Oui, mais Nouara, Ben Mohamed, il a écrit à plein d'autres. En parlant des gens qui ont écrit, il y a quelques qui n'est pas toujours cité, à qui on ne rend pas beaucoup hommage. Comment il s'appelle? Mjahed Hamid. Mjahed Hamid, il a écrit pour beaucoup. Il a composé aussi pour beaucoup. Comment? Oui, voilà, entre autres. Voilà. Mais il a écrit, il a composé pour beaucoup. Hein. Mais celui qui, de mon point de vue, marque la scène de la chanson kabyle par le poids de ce qu'il a produit, de ce qu'il a impulsé comme chanteur, comme artiste, c'est Kamel Hamadi. Parce qu'en plus, ce qui le distingue de beaucoup d'autres, c'est qu'il reste dans l'ombre. Il est encore, jusqu'à maintenant, il est d'une humilité, d'une modestie pas possible. C'est un exemple que tous les artistes doivent suivre. Après, il y a des artistes qui ont marqué la scène. Hasnaoui, il a marqué la scène de la chanson. Il l'a marqué Il l'a marqué parce que il a été l'un des premiers artistes kabyles à briser les tabous. Sani na matvrezan roh. C'est à l'époque, chanter ça dans les années 50. C'est très fort d'un point de vue de valeur. Quand on prend... il y a une chanson... qui la chante... Ami Fadman Soubar, voilà, c'est une autre... Il y a plein d'artistes qui ont brisé les tabous. Athmani, beaucoup de gens ne le savent pas, mais Athmani dans les années 60, c'est vrai, elle est très forte. L'Unicef Magellan en 69, Al-Waldin Anfiyi, on est dans la rupture. Anfiyi, Zoujak, Adkhtera, voilà. On est dans quelque chose de profond d'un point de vue. Du rapport à la société, d'un point de vue du rapport aux valeurs de la société. Parce que le problème qui se pose en termes d'identité, c'est qu'on a une identité individuelle, mais on a aussi une identité collective. L'identité individuelle, en Algérie, elle n'existe pas. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois. Parce que l'individu chez nous n'existe pas. L'individu chez nous, pour moi, il vit, il a vécu, il pour et pour le groupe social, pour et pour la famille. Donc on a une identité individuelle, mais cette identité individuelle, on commence progressivement à s'émanciper de la société, de l'identité collective. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un conflit entre l'identité individuelle et l'identité collective. Parce que l'individu qui commence à briser les tabous, qui commence à transgresser un petit peu les valeurs, il se met porte-à-faux vis-à-vis de la société parce que quand il brise les tabous, quand il brise les valeurs, il met le groupe
dans une situation d'insécurité. À l'inverse, l'individu, quand il respecte les valeurs, hein, il fait partie du groupe et il rassure le groupe social. Et on est toujours dans ce dilemme, dans ce conflit entre ce que moi je veux être et ce que ma famille ou mon groupe veut faire de moi. Voilà. L'artiste. زلو في اللون دابور السلامي واش اخر فان طرناني جامي تكاسن سلام يا ازول حمايان اخر فان عرفت يا سي تاع الرشنا ولا اخي السوري روح حتى تبقى ها اخي جاسبر روح حتى لي سيتي باش يهلو تنسلالا سورا مدنو غال رشناين رشناين يعني اون بو ميتر تو لي نون سوف لو نون دو شانتور خاطر يفاز ان سيد وسام زيكني سي اون رومونت ان بو ليستوار دلايفا تشنوط ماشي مي دلايفا تشنوط ماشي دلايفا تشنوط خاطر سيتي انوتيل هي لا سوسيتي دمور ديال القبايل وين يشنو كان يشنو كان مسكين وزميرة راه ديسا ساغرو ما تلاقى تشنوط هكا كي بل حد دروك يتاكي اللي سيعني خاطر مسكين تاع الميزيرياتيف دونك ثقيوت نبدا زيك ثقيوت تورا مادن سمزيان خدم لي كومباريزون كل انقارنا كاك او دي شونتور كاك اون اوروب ايتترا وكي ذان تا فلاح تنسون امكا ديف دو لاكول امكا ريكشم لي كور دو شون دو جيتار دو سولفاج ايتترا دوك لي ماشي كاك ديف دان مساكيت ولا فيزيك ني تا دار تا دفك يقعدو هنا قال يفهم من شطوح اثني تسنسرا الغرفه كذا خدمنا في تواشو تا خدمنا في تا دار ايتترا لا شونسون كي تبدا ديال الغرفه تتافي ديال الغرفه ماشي ديال الجزائر الوغ شنو سيدي التيموان قال لي تيموان سوسيتو كرا يضرع انا دنيني وزرا غالا شو دمار ليكزي لا ميزير لا مالفي لا سيباراسيون ليدونتيتي ليستوار لا غير ايتترا كلشي شو دار غرسا الغورين كيني لو برومي وزرا مكديني غالا زعما دينيغ شونتور نا بويت سي با زوين يسفروين فوالا جو راتاج بلوس سا لا سوسيتي امريكان دون البلوز ايتترا كي شونتي سي بروبر ميزير نكوني ذا غن سي راه من الشوز راه غورين كيني البرومي شونتور يهدري سي محو محمد سي لونسيان تر دي شونتور خوسيت كانو كيطا او دار بوكا سوريتي سوريتي لو روبير لو برومي دونك وي كيدير سيناردا كي مساكيت قرايسنا ام زوج سنوات تاز كوارد كاري دي روحنا غادي نطلع غارسون الا قادين لا ميزير لا سوسيتي اللي عايشين سفروين هذا سفرو اسفرو سي سي ميتر اون ايفيدونس هكا ميتر ادينا ذا شو يسفرات سيد يسفرات تقريح الى نون فالور هكا ميتر اون ايفيدونس دونك لي شونتور نو سفروين ماشي شونتي داير دو في غار كاينه كاك لي سوسيتي مودرن ولا غير تا مورت اذ هي قارون اما كيسينا ام قلات اما كيسينا سينما نعزم اما كيسينا قلت لا رانا اسقد يعني كنت يقضيت بيان صدري الى ديسك جو ولي دير انا كنفراتي دينير ينافي وي دونك سي دوفوني ذا شوثن دي بسيكاناليز دي سوسيولوج دي روبير هيستوريك ذا شوثن Ben, c'est difficile de donner à quelqu'un un nom de métier. Ça ne rapporte pas un métier. Enfin, moi, je vais avec des liens. Ouais. Le nom de chanteur, il y a toujours une raison sociétale. Je pense que c'est là où on peut se rejoindre. Le chanteur, même si. Je peux te rejoindre sur l'aspect professionnel de la chose, sur le plan aussi bien de la pratique. Hein, ils ont tous fait de façon en tant qu'amateur. Ils ont tous démarré en tant qu'amateur. Je suis d'accord pour dire, comme je disais tout à l'heure, le passage de la poésie à la chanson, il s'est fait un petit peu comme ça. Ernest Urer, ensuite Evendeyer, les poètes. Hein.
les joutes oratoires des Zik, c'est ça aussi. Un petit tsmnakash, les poètes pogarasent sur la place du marché, et le côté musical, on est d'accord. Mais je pense que le chanteur-poète, si on peut parler de cette expression-là, il a un rôle social chez nous. Il est important. Bah, il a couché la Kabylie. Oui, il a un rôle social. Ce qui va le distinguer du chanteur professionnel européen, c'est que le chanteur européen, il travaille pour lui, entre guillemets. Hein. Je ne parle pas uniquement de gagne-pain. Mais alors que le chanteur kabyle chez nous, il a un message, il a un rôle de transmettre quelque chose. Quand je disais tout à l'heure, les femmes, elles ont beaucoup transmis, c'est grâce aux femmes qu'on a maintenu encore notre langue. Ben, je pense que les artistes, ils participent de cette transmission et de cette sauvegarde de la culture et de l'identité. C'est pas uniquement le chanter. Le côté professionnel, je pense qu'on commence à en avoir maintenant des professionnels. Lounis Etmanglet, c'est un professionnel de la chanson. Il est devenu un professionnel de la chanson. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, les chanteurs, que ce soit... Enfin, ça, c'est ce que je pense. Pour majorité d'entre eux, où les chouïdikers, je vais faire mon métier de chanteur. À la base, j'ai un message, j'aime chanter... Mais gagner sa vie à travers ce métier-là, ou les chrella qui ont pris la décision d'en faire leur métier. Mais je pense que ça a une explication. Il s'est retrouvé accidentellement dans la musique. On a des éléments d'explication qui sont d'ordre sociétaux. Parce que Kened Nerlena, la société kabyle, elle est très marquée par la pudeur. Et par le fait que c'est tabou, on ne peut pas chanter. Chanter, c'est vendre sa personne. C'est un petit peu ça. Pour rajouter à ce que tu dis ou aller dans ton sens, hein, je pense que jusqu'à aujourd'hui, les choses n'ont pas encore changé. Hein. Qui accepterait, là on est une trentaine de personnes, hein, qui accepterait parmi nous que sa fille devienne artiste? Quel que soit le côté artistique. Qui accepterait que son fils épouse une chanteuse ou une artiste, quelle qu'elle soit, une actrice? C'est encore des questions qui sont posées, même si les choses évoluent. Oui, voilà. On a beaucoup évolue, mais ça reste lié à la société. Prenons le cas de Kamel Hamadi. Kamel Hamadi, ce n'est pas destiné à la chanson au départ. Il est arrivé dans le... Et ils sont tous arrivés par accident. Ils sont tous par accident, oui. Il faut le rendre un hommage avant toute chose. Un grand hommage, il y a un chanteur qui, la chanson, c'est Boub, c'est-à-dire Boub la Kabylie, la langue, ils l'ont préservé, c'est très important. Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'ils ont un rôle social. Ils ont un rôle, c'est des éclaireurs, c'était des... Très bien. Je vais éviter maintenant le dialogue, la mollesse. Non, mais je pense qu'on peut, je pense que sur le principe, on est, ils sont éclaireurs, ils sont veilleurs de conscience. Slimane Azem, c'est un veilleur de conscience. Il n'y a pas de, mais comme l'a été le poète Mouhia, c'est pour reprendre, hein, c'est voilà. Mais je pense que Ronan connaît tous les gens qui se mettent dans le côté artistique, quel qu'il soit. Ils sont dans un rôle de sauvegarde de la culture, de l'identité, de conscientisation des gens, de sensibilisation des gens. Ils ont tous ce rôle-là, y compris les femmes. Les femmes, quand on reprend les pionnières de la chanson kabyle, Hanifa, Layamina, Ait Farida, toutes ces femmes-là, elles ont été des éclaireuses de leur temps. Elles ont brisé les tabous, mais elles ont assumé un rôle social en défiance de la société et du groupe social. Merci beaucoup. Alors. En réalité, il y a des gens qui ont été très bien connus, qui ont été américains, par exemple la musique, le blues, la société kabyle, la sociologie de la société kabyle, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des
الى وحارين الى مرافض علاش معنا لا سوسيتي او رياليتي لا سوسيتي كابيت سي لا فونكسيون كي ديتيرمين لو ستاتو زيكني اما دي بلي كاضبال تناسى بنار اكسيتيرا اضبال الي كات سلسلت غير وكلان اخراز احداد اضبال بوشري ويكيمارا سي لا فونكسيون سن اشاك فوا لمكان السن ومن بعد لا سوسيتي تبدل اشاك فوا كتو شونج لا فونكسيون تبدل الستاتو هذيك ما تقدر باريزوم بدا قبيلي تبغى تخدم هذا القرى تخدم هذاك تغالى ضم راه ضد التلويح ما تقدر باريزوم ذاك من بعد تبغى تخدم مثلا في الحساب هذاك اذا تغالى ضد حريم الى شونسون وتلال داخل تدالت مي لا شونسون دو بوان مودرن تبدا دي ثم ذيت باسكو دي تدالت لاني ضبالل لاني شويقا ثلاث مدياس اسمي تداوين مي اسمي حقنا غير ثمذينين بدنا ندير الجي باسكو دي جويف اون جوان رونيش في الجي باسكو دوغ غران لا ميوزيك دونك عاوننا طاس القبيل وحنا خدمنا مكوني ولا يمكن كوفا كمال احمد المبدف كمال احمد دير الحسناوي كيف كيف دونك تاع الحسناوي في نادي الجزائر ومن بعد 1936 سادا ذاك فرنسا بس نيو غالا لا شونزون بداك اسمي دحقنا ذاك فرنسا يا ان كونتاكت ومن بعد مكوني ومن بعد لو شونتور يوغا ماشي ذا الشناي باسكو الشونتور يوغا سي ان فاكتور يتزود الخضار تموت يوغال سيت ان بسيكياتر باسكو اكيك سيري خلينا ديك حلفان ديك وليك يوغال زعما تيك سيت ان مورال موراليزاتور دونك كي تبصي غير في الموت الا قاتو غير في الموت سا دي لا جوا اتاسك وميم تو زعما تيك سي لوي لو فلامبو لا كيستيون ايدونتيتور كسكو سنسيف انا دلوغا الغرس غافاش تاكي انا شناي اكني ذاك يعجب سي بور سلا نو سومي سوسيتي سي مات مقلط مصرفة بوكو بلوس او شونتور انا في دو شونتور سانا زال مقريت تيكولي كثر ليكريفان الوغ زعما حد ليكريفان بروفيسيون يونيفرسيتي كيقصر كلشي مي تافر دو شونتور اللي تيكاس زال مقريت سي باسكو لير لو رابور افيك ليستوار بارابور لو رابور لو موفمون كي تدني لها جوست اون بارونتيز ما غير تصنيف فيا مي جو بونس كو تو سا سو تو سا سو تو سا سيكسبليك هان باسكو كوم كون كنيتي دينا نوتر امي سعيد L'immigration, ce n'est pas uniquement ici. Alger, c'était un lieu d'immigration. Et Alger, elle a énormément... Alors, il y a effectivement le facteur, le fait qu'ils aient côtoyé les chanteurs juifs ou les artistes juifs a été un facteur déterminant. Mais à Alger, tous les chanteurs kabyles, il n'y en a pas un qui ne soit pas passé par Alger. Ou la chounou Nadara, parce que c'était les... Et en plus, on est loin de sa Kabylie natale, on est loin de l'interdit, on est loin du tabou, on est loin du contrôle. Même les femmes, certaines femmes ont bravé, plus que bravé la société et l'interdit. Quand on entend Chérif raconter son départ de son village jusqu'à Alger, mais elles ont traversé des choses pas possibles. Quand on regarde comment Hanifa elle est partie en 69 dans un état d'indifférence totale, c'est comme ça. Mais pour reprendre un petit peu le sujet de tout à l'heure, c'est que il arrive que même ici des artistes ou des personnes s'essayent au métier d'artiste et ils arrêtent parce qu'ils ne percent pas. Ça, c'est des choses qui arrivent. Nkouni, il ne se destine pas à être artiste professionnel ou chanteur professionnel parce que le poids de la société, il est très fort. Je me souviens d'une discussion que j'ai entendue comme ça à côté de Kamel Hamadi. Il disait, Kamel Hamadi, il est parti à Alger, il a commencé à être tailleur, hein, parce qu'il voulait sur les traces de son père et pour manger. Voilà. Ah, c'était ça. Les gens, quand ils quittaient Alger, mais c'est petit à petit qu'ils sont rentrés dans le milieu artistique. Et quand son père a appris qu'il chantait, et Inès, tu as un choix. Soit tu arrêtes et tu continues à être mon fils, soit tu... voilà. Il a choisi la chanson. Idir, c'est exactement la même chose. Idir, et d'ailleurs, pourquoi ils prennent, une bonne partie d'entre eux, chantent avec des pseudonymes, ils ne chantent pas avec leur nom. C'est parce qu'il y a le regard de la société. Oui, nishnou dirith. C'est ça, mais c'est une question
de représentation. Et là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure par rapport au rôle que l'on assume dans la société. Mais dans la société aujourd'hui, de 2020 en Algérie, il y a des métiers qui n'ont pas encore de valeur positive. Parce que même Kamel Hamadi, c'est l'arabe, c'est donc il est obligé de mettre les sommes, les professions. Voilà. Mais il y a plein qui ont changé de... Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est ça. C'est que... Il y a le poids de la société, le poids du tabou, le poids de l'interdit qui fait qu'on ne se destine pas. Moi, je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu, moi, en personne. Je ne parle pas de chanteur. Hein. À l'issue de mon bac à Alger, je voulais être professeur de PS, professeur de sport. On peut... Toute ta jeunesse, tu fais du volley, tu fais du sport, tu n'as pas encore continué. C'est ce que je voulais faire. Eh ben, je suis parti pour autre chose. Mais c'est pareil. Dans notre société, ça va aller encore. Voilà. Mais infirmière, oh, on a plein d'idées noires et, qui suivent ça. Voilà. C'est encore, la société n'est pas encore, même s'il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, mais le poids de la société, le poids des valeurs, le poids de la tradition, il est encore très très fort, y compris à aujourd'hui. Voilà. Oui. Bon, après, monsieur Badache, d'accord. C'est-à-dire, les artistes, non, il y a qu'à se faire dans le Coran. Il y a des souffrances, c'est cool. Mais tu sais الغنيت غنينا سان زوان ويكم وصل يون غادي ياش سي الغنانينس تيبوين ناغد سواغيت ناغد الغرفة ناغدايا ناغدايا وران تسراريا رازي يسني داقن قبل هذا المثل بثورا كم وصل مثلا كم وصل باغ اكزومبل قلت الغنيت سي ثمان جلات اي كومباني مي سي زيك ني ولا شمن هذا سني رازي ولا شمن هذا اللي يحضرون ولا شمن هذا اللي يفهمن خاطر الكنيسية وي غني وفنان كل يوم كني تيفهم فهمت كي حوزة كي في الجهة إن كنا كي حوزة دا في الجهة يك هذا عشرة يدنا غادي نبني يكون يوم كني غادي حوزة دونك هذا سني فرح ربي إنه زن إيفي نكينا دني يوس لزارتيست النا سورتو سورتو خذ من إثق فيليس يكون ماشي دني ثني غادي تروح قبيليث يكون ماشي لا شي ندوي تي دي تفرق دني ثني هذا قبيليث كتشيني سيماني كتقرا سياسي ثلاثه يسير ولا هضر ثلاثه قبيليث كتشي وري تاع ساكتر تاع قبيليث يقول منسي ضار فهم اذا قال شي دم زوارو جو ميكسكوز جو كيني سي غراوي ولا نولي نهضر ثلاثه قبيليث مي كتشي كي قدام زوارو غتهضر يسي كي غير تقبيليث مي نكون يشنين لنا يقدر يشنون هضرنا في كلش في تغيير ولا في ليستوار فين نستعد الحيفه في كلش فريد عريس ودار مثيد لينا اسمي الفرق مينا وادي سيدي بن عزم في الساعه في ربي الكنيسه راه سيدي بن عزم جو فيان دو 350 كيلومتر ساعه داكي في مرسي سيدي بن عزم الى دي لونوي ساعه كافي دي فلور ها دي نيك الا دا مساليست كاد قرا كي هضر له نور سيتي دي مساليست على بوك الوغ فريد علي من بيس فرق اللي بها كنت بها فلان على ريبوك نو العمينا كنت بها فلان بيس فرق بدي يون تاغوش ينس بشكل سين ينس باش ني باش ني فريد فهميت لكن اللي كذا فحالي فوالا لكن اللي كذا فحالي شفو كان في الشتاء الجزائري افريت هي هو انا غيث سي لا كي كي كذا قانيدي ماشي مي يوانا يوانا ذي الطرف اي خدم الحاجه يزنزانا نو إلا كان يجي بيان كومي الفو أنا خمي وي أسنى رازا البطاس جا راسي نيثنين أقدا أدزم سيدي سيدي قبيليت نبود نايا جون شو مي بيي الحمد لله والسلام عليكم. تنمية تنقى مسي بداش روح كدا غد مسي غا في انجل جوان كيما ثنا غيد يدي مسلينا في لي شونتور كدا لي شنو خاطر ما دني نيا شونتور معناتها سي تان ارتيست من لنا 40 مليون ديال الجزائر وزميلان سا 40 مليون لي شونتور
دونك لي شونتور كي لعيبه ديك شان الاحشاش كثر بويه يتوالين كثر بويه يستخدم يقوين سن كثر بويه دونك وكذا كي الى قاش نفكاجه دورا غزال هذا سنفك تسوى تبدل الساقي شونتور باش هادي شنو خاطر لا ماجور ديال كلي ماشي سي شنا غيا شنا غي بغانا داش بصح سان للدون ياكي سان الموهبه ياكي باش تشدون فين وران فين تورين باش تصيبون يويا بصح ساقي شناي اللي دان جين كرون ديفيكولتي بريميرمون باش دي شنو ماشي دا شناي مي شنا غي يكون شنو لا ديفيكولتي انسان باش ادي شنو الى قاش لوركستر يخلص الى قاش هيا الى قاش لندن الى قاش كل شغل ني يزما غير ما 30 40 50 مليون باش ادي سوفور ديش كون بعد اسما تي دي سوفور هي و لندن ومن بعد ما هي و لندن دي فور ومن بعد لي بيراتي دونك يوا فن دي قبن تورا ثاني يغار محسوب يتشد الماتيريال سادري دورا من بعد دورا اسكو امكاد ان فلوس هم ستاكين وشدناي مع يدري من دورا اسكو دورا حادي شنو غادي يخمم مكاد يا مكاد يجمع يدري من مكاد ومن بعد داك السيستيم كيك ولا كي الانترنت غادي يشوف لي سي دي وثن تسانار وثن تسانار غاي غار باسكو غادي يخمم كاد يشارجي توتي بيراتي يونار بوريزما دي كونترولي يونار بين اوريزميرا هذي داني من بعد ترى دندم شناي ثاني يشناد وشناي زيك دي لي زاني 60 الا لا لا راديو تقبيلي ثاني داير لا حميد في السيافور بنت دي سي راديو البال يشتغل كل جدي غير هذه فرنسي دونك لكن مي تحسي سا سي بيردين كل جدي دي لا ريجيون انتيارت خاطر جنابيت بان كابيلي الور دينا تحسي شي راديو البالي تشادي حميد شي من عزام تو لي جور تو لي سوار تو لي سوار تو لي سوار يتشادي بون ثورا مريدي من لا راديو ني ثان تروح ثورا شناي الا نتورا مريد شنا يروح باش يدي هذا السل المد اني ذا لا راديو وراش نكري ثورا جو ما درس تو لي كابيل دالجيري يا تو لي كابيل دو فرونسي دوروب دمنان الى قد زرنا مكان كيد يدي يديني شناي نغضى دادي لا كولتير نسن اني ذا لو سول ميديا انسان كنيش القبائل كي اكزيست ان دار الديني ضاين اللي كي هو ايني كي الدين بيعشر ماشي دار كما هاث كما غاشي ديال النخات وين تضطر بقيت البنات بصح ايني كي هو اني ذي نسى سول تيليفيزيون لا سول اونيك تيليفيزيون نبض ذي الجزائر ار الماثل وردي ذي الحراك جيتي تري كونتون de voir avec des séries Berber TV Qanat Chab. Berber TV Qanat Chab, c'est la chaîne du peuple. Mais tout le monde, je vais m'adresser à l'Qbaran de Malla. Est-ce que c'est comme la chaîne qui est en train de se faire, 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 qui est اش اللي تكل فيونسمون ياكي باش تلحو ترى الفيونسمون راه شي مالا وتروحو دابا هاد الزر الى قد فهمت شو واش تشدو بيربر تي في تلا تريشيتي لا وقال البيرسونال كي يكون يخدم لا وقال لا ممكن قال يدنوشا اش تاكي كان شي ديكا اشكو الدوله كي اون ترا دو سيبونسيوني لا تيلي نو Les chaînes de télévision de l'Algérie à travers ils sont subventionnées par l'État. Même les chaînes privées de l'Algérie ils sont subventionnées parce qu'ils sont orientés vers une politique de l'État, donc ils sont subventionnés. Check les soldats, check les la pub, check les naïa, check les naïa. Mais Berber Télévision, où est-ce que c'est la subvention? La seule subvention est ça, rien que tu sais que nous connaissons. يكون انت مراكاكي مام هاد الشنو ما غادي يكون وانا نيثين ومن بعد تستفضى راني ذاتي ديني ولا شو واحد يجي يشري ياكل دونك ذاتي اقل غنتهكي ثي من قبل يث قبايلي باش تمث اي غير لو ميديا يجي فونون 2000 نتاع بربر تيليفزيون لا يكون انت مراكاكي لا شيناكي نو بو بلو غير باسكو لا بوب ديال الجزائر لا سيتياسيون ايكونوميك مي ريبون با خاطر ما تخدم لا بوب تخدم لا بيب سي لي برودوي كي اكزيست ان الجيري
Et maintenant que la crise économique a touché, a profondément touché notre économie et notre politique en Algérie, donc maintenant Berber Télévision trouve d'énormes difficultés pour le budget de fonctionnement. Je m'adresse à quoi ? Je me donne 10 euros par mois par an pour contribuer. Pour ne pas vous dire je suis de Nufka. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous télévision dit que et personne ne sort un chou vous avez dit que pour faire la cotisation vous avez dit que vous avez la deuxième vous avez dit que la chaîne de télévision qui va servir de budget de fonctionnement de cette chaîne. Maintenant, en dehors des chanteurs d'année, أثناء البروبلم يشندي يوغال نيغليت يبوف لي شانتي ستادير غاشي بغا دي شنو غاشي يسن غاشي اين شي هو اللي يزرات وريزميرا لا باسكو ديجا لي كونداني على ماشي د لارجا باش هذا يروح هاديش دونك أثناء تولا الشنا يتوقن سوا شو يتوقن سوا اساس ديك ثوري وشونتور يصبح حاسد الموهبه باش هذه شنو هي نغير سنين الى قدا وضايا الى قلو الكاشت الى قواكي وقي اشكي دي شنو نقدر دي قلب اش هادي لا نصوبي ثمرت نجمع درسها توت لا بوبيلاسيون على طرافير لو ميكرو ياكي تو لو بوبل كابيل الى قد خبمن افيش يعني شنو ينا دفران 200 و 300 دا دينا شنو غادي نينا يعني شنو هوان ومن بعد دينا غاد فرجن وحرسن لايف هذا مش ناينو زكا انتينا يخدم دي لاني 67 70 ديك الدايات ادا وين دي ميلي شونتير ومن بعد تبان وين دي بان انا بارتي دي نايف دايت من قلت اثي ذكي ربي اش الخير الا انشيني دي شيني دي روح الا تسيليكسيوني دينا يفوت ثورا كوني جو مادريس لو بروبلام داكي وميدا تحسش مكلاش يزمر دابا مواطن يغلق par problème de financement, ils peuvent plus, ils n'ont plus un budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement dépend de la population kabyle, pour ne pas dire de l'Algérie. La population kabyle, il a qu'à faire, mais il a qu'à faire, il a qu'à adhérer, au moins, on doit adhérer, parce que Khalsan, des cotisés, il a des manies, des remènes un peu partout, اسقم لا الشناكي خاطر ما تروح ذاك انا اذا نروح انت اش كيف لا راديو ولا اش اذا كي تروحون بعد سنه انا انا اذا واش كون فيا لي سنه هذا نروح اكتشي توشي مرحبا يشك وشاد وكذا كي جوار ومازال داش اش كان اذا دين اذا كي تخدمني ذاك الشناكي انا اذا تديني ذولاش تراك جو ما دراش جو لو دي بليزيور فوا القبايل الى قندم مثلا ام كيف خدم الجمعيه تاك القرن 6000 باش تجمع ميدير من سوا ديال الجيري 6 دينار ومن بعد مكي هذا الدين شهر سوا ذاك دي فرنسا شهر ذاك او ندل دينار كونت دي جورو دي جورو واش كوا شيا في المثال ماشي تقبيلي كان تشمال ذاك تشد نوم توري مبربر تيليفيزيون تشن ثيرا وين ارقاز الله يبارك الراش اتبجر لكم الدن ذاكي كلشي جهاد الفرك عاد مدنيوا دايك زعما راه انت دينا سلمي ثم قرانت سلمي ثم قرانت ماس بدا الشافي مسلينا جدا هذا كان وبان انا فيتو مازال في دليني بربر تلفزيون سيدير سيدري من لي زانونسور سيدري من لا بيبليسيتي سيدري من لي زابوني لاك سيدري من بمعلم ماس محمد سعدي في غير ثم قرانت تروح هذا يولي سيدير هذا كيدي فرنسا خاطر يثمر دوبي 2001 ارسا La chaîne elle est gratuite. Donc, les guides des Français, les abonnés, elle est tous les guides des Français, parce que l'abonnement en Berber Télévision, 5 euros par mois, c'est 0,25 centimes par jour. Thabir, 1 euro. Al-Qahwa, 1 euro. BRTV, 0,25 centimes par jour. Je suis très heureux de vous dire. ذاك اللي نصاوب عند كلث اذا لسنا غير نرفد ثلاث غير نرفد اكد على فيك لا الوذي ستوفان لا وذي ستوفان اكزر عندي كثير وين انا اذا يوكل لي ارزوا الى قال لي سيوث الحاجه هذه الدين ومازال تدي نعاود ذي قبيليث ولا شر الركباث ما نغلط قبيليث ولا شر الركباث ذي قبيليث هات الزمرض تشق مضيون
مي اترقمو في كزيستير وكرقمو في ثبوت القبائل نغادي ثلاث قبائل اذا انت سكرب بين يرقمن تروح اس قبائل ثيس اسب وساكيني انا اللي ثذوي ذي بنون ماشي ذوي ذي تهدون انا اللي ثذوي ذي زرع عندي كثير وين كنت مسني ماشي ذوي ذي زوين اول ذكواضو اسب وساكير الى قال في كواليث مسني ان في كواليث مسني وان في كواليث ومشطوح ومقران يا اللي ونساء غزل فاتي ديني ما نصوض نبنى نربحوك ما نصوض نهود نخسروك ثانمير ثانون انا نبدل السوجي انا اروح اجمع اروح سيتادير يفو فار اون كارافان قوة دي فرنسا الله يبارك يفو فار اون سورت دو كارافان de sillonner la France dans les marchés, dans les cafés, dans les restaurants, dans les... chez les industriels, pour pouvoir expliquer ce qu'on a besoin. Bah, je dis, vous venez de... Non, moi, je mets la question, je vais vous dire, 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 voilà. Il a quand une caravane, sillonner la France, l'Europe s'il faut, et l'Algérie aussi, pour pouvoir avoir de l'argent pour fonctionner. زاد باش كانوا نصدقوا ثلاثة سبوال هي دي ستاتيستيك تخدم ذاك ماشي وقت تقرر غير مي لا فار دو 65% يتفرج من باب التلفزيون ذاك دي فرنسا تساوي لي ديكودور دي ثمبورث فلاش بار انترنت ستادير تولي بربر تلفزيون مو تتخلي الصاله سي بور سلا شوك تاع الناس مازال في الدنيا هكا ولا شوك واعر اما راه تاخذ لجيبيك ما راه تفضل جيبيك تمدي بس تصير سند تبضض ما تفضل جيبيك كريث وخرو اسبس كير اذا السنا ثلاث لنا مسنا كوني ولا شي ولا تيرفد ونكوني ونتقلي فرا نبضض ونتقلي فرا نسكا هذا وث نبغى نزضو طيك ما تيكاري مثلا ونبغى اذا الساكين غادي جوج غادي نارني غير اللي ونزدي صح ومسلاي ماشي سر الكماث ماشي سوس فوجان هذو مازال تعاودها قرنا كتزيك يسهل وخدم راك نفبغيض وخدم راك نبغان خدم كان كنقلق او فعلا خدمت كان كنقلق ثاني مرتب اه قبل هذا الفرق الجامس خواص سادي قبل تاكارا دينا وين تاكارينس نجم بدا مسري اللي نا في شناين كيوم وعاش دارا سلفن نسن ماشي طاسي كاع عاش سلفن نسن مي تقسيط نسن تقسيط بيربير تي في وني سام كوني تسهل كيف كيف ذكيونو مع معين لا ياكل ذكيونو مع معين لا ياكل تكتب لنا وصاوا تسهل كيني ذكو خامي وصاوا تكتب لنا ذكو خامي شي مي فخير مي سور مي زونك مي ولا شو كسهل تكتب اصلا تفكض وتقارن راه ديجا بس كي اصلا تقارن راه تكشم سي خامن تي تخو اون تخوف با دو ليفر On a un rapport à l'écrit, on a un rapport à la culture qui est très difficile. وقي ديني فانا يمكن اذا شو ذي شغفن بعد مسرية في كذا كي تمكثي غد يبوس en 1986-87 نمري لك مولد معبر في لسي عفور بي على سي بي روي مني المونتان à l'époque j'étais en train de faire ma thèse de doctorat sur la question identitaire que j'ai étudié à travers la chanson. Na sad del mulud nous connaissons quel pouvoir à Gemchoum, à l'air d'une ethan allé, ça que va il est à Mazer, qui a un scanner en assorti, n'a n'a aucun. Est-ce que un no hatsen selb, n'a no hatsen rar? On y est en 2020. Et Nerthuratan, elle est langue officielle. Après, de Tumscher, n'a maché Tumscher, mais elle est langue officielle. N'kin y a chudi, n'kin. Ma throhat si khamen. Je ne peux pas généraliser, hein, mais dans ce que je vois dans ma propre famille élargie, ça a raté quoi d'arne. On va aller Bouira, Tizi, Bougi, hein, là l'enseignement de la langue. Un week c'est que n'arrive ça de roha des garçons qui veillent. Oula chatas. Donc on est là dedans. Mais, ارثورا تخم ام خيرات بنسكا ام خيرات نحارف يعني تو الموند كسو سوا لارتيست
que ce soit le journaliste, que ce soit le média, mais de la radio, mais de la télévision. On a un rapport, et puis, parce que le chanteur, c'est pareil. Le chanteur dit se faire un CD, le lendemain, on a des titres de Serge Gomarcha, déjà, il est piraté. C'est ça le problème. C'est exactement la même chose. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux. Voilà. C'est malheureux. La seule chose que je peux dire, c'est que je crois que chacun d'entre nous peut contribuer à sa façon à apporter quelque chose. Tout va se construire. Mais ça ne peut se construire qu'à une seule et unique condition. Et les Kanzar Ansid Nekka, et les Kanzar la vraie histoire, parce que le problème majeur des morts, Nikinima Hadarak, les neveux Inou, aux Aranara, ils ne savent pas ce que c'est que l'identité berbère, ils ne savent pas ce que c'est que Massinissa, ils ne savent pas ce que c'est que leur histoire berbère. Parce que c'est les Gédes et Sansaran. Ou Gédes Grun, Dagi, kif. Les jeunes issus de l'immigration, aux Aranara, moi je le vois dans mon établissement, qu'ils soient de parents marocains, de parents algériens, de parents tunisiens, aux Aranara, ils ont une origine berbère, ils ont une histoire berbère. Donc, venez de mon Zarara, un Sidi Chira, mais si, c'est pas facile à dire nous. On est tous responsables. Moi, le premier, j'ai deux filles, en plus, je peux dire, c'est pas pour me justifier. Quand on vit avec une maman, c'est pas la même culture, quand on vit, c'est pas facile. Entre la maman qui parle allemand, moi qui parle le français, on se parle en français, c'est pas pour me jeter, pour m'excuser, je suis en tort. C'est pour ça que d'ailleurs je me mets, mais je pense l'erreur elle est partagée. Le problème, c'est la culture d'une manière générale, c'est-à-dire même les choix, c'est-à-dire il a le système actuellement, c'est garçon d'une manière générale l'histoire. Quand même les arabophones, dans leur scénario l'histoire. Mais on est victime du système. Mais si on a dit par rapport à ça, on a dit que le tarif est arabe, il 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 est arabe. On a dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se parce que développer la culture agi, aucun sentiment n'aura des hommes, n'aura des mises, n'aura des hommes. Surtout à hommes, ils sont contre les hommes. Et donc, il y a le problème. Pour finir, moi, je ne fais pas de distinction entre. Pour moi, dans l'Algérie d'aujourd'hui et de toujours, il y a toujours. L'origine, elle est berbère. Il y a des arabophones, il y a des berbérophones. Les arabophones, pour moi, c'est malheureusement des gens qui ont perdu l'usage de la langue berbère dans ce qui
différentes. Winivra Natsira, Samazer Tagatsira, Winivra Natsira, Nkini Ksnartaraf, Hadrataraf, Rartaraf. Donc j'ai un plus par rapport à eux. Mais au Klatsira Royal, déjà, ou Gadna ou Tsaranara. Déjà, les nôtres ou Gadna les nôtres ou Gadna Tsmisrain. Sangaroha, au Sénégal, il y a l'Algérie, c'est la Kabylie, c'est l'Alger, mais une bonne partie d'entre eux. Mais Tizi Ouzou, donc c'est ça notre problème. Il faut que les nôtres, oui, Gadna, Adouran, Nartigan, Ninzi, Moulou de Pharaon, mais dans je ne sais pas dans quel livre, je crois que c'est un guide de Dara Foufran Khaltis. قال فخان خالتي ولا شويتي ويثيفن ناد الدوير خمس اثنين تسليث لس وجاذن ثلاث حضاري ماس حضار خالتي حضار ثناسي وكبيشكر تسليث ثناس ذي مك حضار خالتي ديجا ثقين نتسوس نكوني أعراض قارن الخنفوس عند مغزال نكوني سكي نوز ابارتيا اون اتوندونس على le mettre de côté. Je vais finir par une image qui me paraît très importante, parce qu'on oublie. L'image que j'ai faite dans le livre, la photo, elle est très symbolique pour moi. C'est un olivier. L'olivier, il est très fort dans notre société en termes d'enracinement identitaire. L'olivier, c'est un arbre qui est profondément ancré dans la terre. Cette image-là, je l'ai tirée d'une citation. Et on a tendance à oublier un petit peu tout ça, nos origines, et je pense qu'il faut les faire revivre et leur accorder un peu plus d'importance. Voilà. Merci. تنمرث تم قرانتي مس أرزق خواص نادريون دي سوفان ادريس ميكس ما ريفولتي سبار دون لا شانسون كبير تنمرث نون دعي مثل مكون ويدا كينا تنمرث وادي تفان ثلاثيث إلا قصيري لانسينيمون لوبليغاتوار باسكو بشكل مسليث إلا قنا عدد كنس العقل ثلاثيث إلا قد سواء غذبو ذفيرس وإلا قد سواء تسوي له ذفيرس وتي لوبليغاتوار لانسينيمون اسمي لوبليغاتوار لانسينيمون تتيث انتمازيغ مشي كان انا غار تمازيغ من زمان الصغار يس تمازيغ تاكير تمسات تسنات غير نتي اوفان ولا قدر نقرت كان حق نكوني راه حق نكوني حق نكوني اكن في بغوث الليض الى قدر تسنات الى قدر تحفظ اسب وساغ الى قدر نقلب ثاني سين ولا قدر نغلق الثبورة اذ مسلم ثاني ميرت نون جاكو دينا هذا خير Je cite juste une citation. Les Noirs américains qui ont été sous domination, sous toutes les répressions, pour faire valoir leur identité, ils ont utilisé leur infériorisation. Les Blancs les infériorisaient parce que l'individu. Ils ont utilisé l'expression suivante, « Black is beautiful ». C'est ça. C'est avec ça qu'ils ont combattu la domination des Blancs.